C'est dans la petite ville de Québec que je me suis le plus emmerdé au cours de mon existence. Étant plus jeune, un fan de clubs vidéo et des films de Face of Death, j'ai décidé alors que je m'emmerdais profond de faire un remake de ce film qui était pour moi, à l'époque, un summum dans l'industrie de l'horreur et des sensations fortes. On peut douter que le problème de la mort soit à proprement parler un problème philosophique. Si on considère ce problème objectivement et d'un point de vue général, on ne voit guère ce que pourrait être une métaphysique de la mort. Mais par contre, on se représente fort bien une physique de la mort. Que cette physique soit biologie ou médecine ou sociologie, démographie, la mort est un phénomène biologique comme la naissance, la puberté, le vieillissement. La mortalité est un phénomène social au même titre que la natalité, la nuptialité ou la criminalité. Pour le médecin, le phénomène létal est un phénomène déterminable et prévisible selon l'espèce considérée en général du milieu. Le degré extrême au-delà duquel l'organisme ne peut plus survivre, représente au contraire la grande frontière de toutes les frontières, et ceci pour la totalité de notre être. Dans cette limitation générale, toutes nos limites particulières se rassemblent et se résument. On peut cesser progressivement de voir et même de percevoir sans mourir pour autant. On peut voir et percevoir de plus en plus indistinctement tout en continuant à vivre. Mais inversement, celui qui cesse d'être cesse a fortiori de voir, d'entendre, de toucher et de sentir.